Au Burkina Faso, la production du riz connaît un dynamisme grâce à l'effort des producteurs, mais aussi à l'accompagnement de la recherche scientifique et technique. Suivant Madame Barrault, il faut comprendre l'importance de la recherche dans le domaine de la production de riz. Mes travaux de recherche portent sur l'étude simultanée des maladies les plus fréquentes du riz dans les zones de forte production. J'observe les symptômes sur les feuilles et les grains et je les prélève pour diagnostiquer au laboratoire. Après avoir observé les symptômes sur les riz au champ, nous avons effectué des prélèvements que nous envoyons au laboratoire. Et nous essayons maintenant de voir quel agent pathogène est présent sur les symptômes que nous avons prélevés. Et cela se fait à travers la loupe que nous avons ici. Et cette étape est indispensable afin d'identifier l'agent qui est responsable des symptômes causés sur les graines. Nécessaire en fait pour mettre en place une méthode de lutte efficace pour cet agent de lutte en particulier. Les nouvelles politiques nationales en matière de riz reposent sur la mise en œuvre de plans, de programmes, de projets de développement à travers les aménagements hydro-agricoles, c'est-à-dire les périmètres irrigués et les bas-fonds aménagés, et la mise en place de cadres de concertation des acteurs de la filière riz et d'autres appuis multiformes aux producteurs. Communauté microbienne associée au riz au Burkina Faso. Facteurs de structuration et conséquences épidémiologiques. Succinctement, nous pouvons retenir qu'il s'agit d'une approche scientifique qui vient booster la production du riz en quantité et en qualité. C'est également une méthode de gestion intégrée des principaux ravageurs et maladies du riz dans les zones de haute production et les bas-fonds.